Le linguiste Michel Bréal, dans quelques mots sur l'instruction publique en France, écrivait « Parmi toutes les nations du monde, la France présente le spectacle d'un peuple qui a pris son propre passé en aversion. On dirait une population d'esclaves qui vient de renvoyer ses maîtres et qui ne veut plus se souvenir du temps de sa servitude. » Je ne crois pas que les luttes de la fin du XVIIIe siècle et la mauvaise littérature d'une autre suffisent pour expliquer une aussi étrange répulsion. On ne peut haïr à tel point ce qu'on ignore. Et la principale raison d'un état d'esprit si peu naturel, c'est que l'imagination du peuple a gardé le souvenir amplifié de crimes et des misères du temps passé, sans qu'on ait pris soin de lui en rappeler les bienfaits et les grandeurs. L'objectif de cette vidéo est de rappeler justement les bienfaits et les grandeurs du temps passé. Plus exactement, mettre en évidence l'éducation et l'éthique de nos rois, ainsi que leur relation quotidienne avec le peuple français, au-delà de toute caricature républicaine. On peut dénaturer l'histoire, mais en dehors de toute idéologie, restent imperturbables les faits, et c'est eux que nous allons écouter. Commençons avec l'un de nos plus grands rois, Louis IX, ou Saint-Louis. Voici ce qu'il écrivait à son fils, le futur Philippe III le Hardi, dans son testament. « Cher fils, s'il advient que tu deviennes roi, prends soin d'avoir les qualités qui appartiennent au roi. C'est-à-dire que tu sois si juste que, quoi qu'il arrive, tu ne t'écartes de la justice. Et s'il advient qu'il y ait querelle entre un pauvre et un riche, soutiens de préférence le pauvre contre le riche, jusqu'à ce que tu saches la vérité. Et quand tu la connaîtras, fais justice. » En Ve République, c'est plutôt l'inverse qui s'observe. Nous y voyons la continuité du roi des Hébreux Salomon, fils de David, dont nos rois comme Saint-Louis continueront l'enseignement. Le jeudi saint, les rois très chrétiens accomplissaient eux-mêmes le rite du lavement des pieds, et cela jusqu'à Charles X, tout comme le faisaient et le font encore les évêques et les prêtres. Ce rite illustre la grande leçon du service fraternel, comme l'accomplissait notre Seigneur Jésus-Christ la veille de sa passion. Évangile selon saint Jean. Au XIIIe siècle, le roi Philippe Auguste, le vainqueur de Bouvines, se promenait à pied dans les rues de Paris, où chacun l'abordait sans plus de façon. L'histoire a conservé le dialogue qui se serait engagé entre un jongleur et Philippe Auguste. L'histrion sollicite un secours du roi parce qu'il est, assure-t-il, de sa famille. « Comment es-tu mon parent ?» demande le roi. « Je suis votre frère, Seigneur, par Adam, le premier homme. Seulement son héritage a été mal partagé et je n'ai pas eu ma part. Viens donc demain, et je te remettrai ce qui te revient. » Le lendemain, dans son palais, Philippe Auguste apercevait le jongleur parmi la foule qui y était entrée. Il le fit avancer et lui tend un denier. « Voilà la portion que je te dois. Quand j'en aurai donné autant à chacun de nos frères descendus d'Adam, c'est à peine si de tout mon royaume, il me restera un denier. » L'anecdote manquerait-elle d'authenticité? La transmission par les contemporains n'en serait pas moins caractéristique. Au XVe siècle, on regardait le roi comme la première personne ecclésiastique. Le peuple se précipitait sur le passage du roi pour toucher le bas de sa robe comme une relique. « C'est la vérité, dit Saint-Gelais, en parlant de Louis XII, que par tous les lieux où le roi passait, les gens, hommes et femmes, s'assemblaient de toutes parts et couraient après lui, 3 et 4 lieues. Et quand il pouvait atteindre, à toucher, à sa mule ou à sa robe, ou quelque chose de sien, ils baisaient leurs mains, ils s'en frottaient le visage, d'aussi grande dévotion qu'ils eussent fait d'un reliquaire. Il nous reste de nombreux procès-verbaux illustrant les guérisons par Louis XIV et Louis XV, lors des attouchements des scrofulos. Le roi te touche, Dieu te guérisse. En 1664, on lit sous la plume du légat pontifical, à Paris, le cardinal Chigi. On voit le roi de France accomplir ce prodige non seulement dans son royaume, mais dans les États étrangers. Ainsi, quand le roi Jean le Bon, ce qui voulait dire Jean le Brave, demeura prisonnier à Londres, après Poitiers, comme François Ier détenu à Madrid, après Pavie, Anglais et Espagnols s'empressèrent de profiter de la bonne fortune qui mettait parmi eux un personnage dont les mains effaçaient les maladies. Quel beau, quel émouvant témoignage du prestige acquis par la monarchie française dans l'Europe entière. Dès la fin du XIe siècle, Guibert de Nogent opposa la simplicité et la bonhomie paternelle des rois de France à la hauteur et au faste des souverains étrangers. « Dans les rois de France, dit-il, brille une modestie toute naturelle. » Il cite à leur sujet la parole de l'Écriture qu'ils font revivre. « Prince,
ne t'exauce pas, mais sois parmi tes sujets comme l'un d'entre eux. » Le palais des premiers Capétiens était ouvert à tout venant. Il ne se distinguait d'une mesure bourgeoise que par les dimensions. L'anglais Walter Map y entrait comme les autres, et le roi, Louis VII, l'aborde en disant « À votre prince, en parlant de la cour d'Angleterre, il ne manque rien, chevaux de prix, or et argent, étoffes de soie, mets recherchés, il a tout en abondance. À la cour de France, nous n'avons que du pain, du vin et de la gaieté. » L'ambassadeur vénitien Michel Suriano s'exprimait ainsi en 1561. « Les Français ne désirent pas d'autre gouvernement que leur roi. De là vient l'intimité qui règne entre le monarque et ses sujets, qu'ils traitent tous en compagnons. » Cette grande familiarité, note Michel Suriano, rend, il est vrai, les sujets insolents, mais aussi fidèles que dévoués. Opinion que confirme Robert Dallington, secrétaire de l'ambassadeur anglais auprès d'Henri IV. « Les rois de France sont affables et familiers, plus qu'il ne convient », écrit le diplomate anglais. « Mais c'est la coutume du pays. » En 1577, Jérôme Lippomano, autre ministre de la République vénitienne, constate que « Durant le dîner du roi de France, un chacun peut s'approcher librement de lui et lui parler, comme il le ferait à un simple particulier. » Louis XIV écrivait « Il y a des nations où la majesté des rois consiste pour une grande partie à ne se point laisser voir, et cela peut avoir ses raisons parmi les esprits accoutumés à la servitude, qu'on ne gouverne que par la crainte et la terreur. Ce n'est pas le génie de nos Français. Et, d'aussi loin que nos histoires nous peuvent instruire, s'il y a quelque caractère singulier dans cette monarchie, c'est l'accès libre et facile des sujets au prince. C'est une égalité de justice entre lui et eux qui les tient, pour ainsi dire, dans une société douce et honnête, nonobstant la différence presque infinie de la naissance, du rang et du pouvoir. On entrait dans le palais du roi comme dans un moulin. Les étrangers ne cessent d'en exprimer leur surprise. Le château presque dans son entier sont ouverts à tous, sans distinction de nationalité, de rang ou d'appartenance. Sont uniquement interdits les vêtements négligés et les tenues de deuil. Et le roi a donné à chacun de ses sujets le droit de s'adresser directement à lui, par écrit ou de vive voix. Une épée ? Mais mon bon monsieur, auriez-vous l'intention de nous tuer ? Dans notre pays, les princes portent l'épée. Et je vous conseille d'en louer une si vous souhaitez circuler librement dans le château. Vous, les Français, faites tout à l'envers. Chez nous, les gentilshommes sont désarmés quand ils doivent approcher notre empereur. Mais c'est que chez vous, l'empereur n'a nullement confiance en son peuple. Bien, fils. J'allais au Louvre, écrit Locatelli, en 1665. Je m'y promenais en toute liberté. Et, traversant les divers corps de garde, je parvins enfin à cette porte qui est ouverte dès qu'on y touche. Et le plus souvent, par le roi lui-même. Il vous suffit d'y gratter et l'on vous introduit aussitôt. Le roi veut que tous ses sujets entrent librement. L'historien Franz von Brentano nous fait part également de cette petite anecdote. L'un de mes confrères de la presse parisienne se rendit à l'Élysée et demanda au concierge de voir le président de la République. « Mais on ne peut voir ainsi, monsieur le président. Avez-vous une lettre d'audience? Que désirez-vous ? » « Je désire voir le président. » Le concierge, bon enfant, proposa au visiteur de l'introduire auprès du secrétaire de l'Élysée. Et il s'en alla annoncer au secrétaire cet inconnu qui, sans aucun autre motif, voulait voir le président de la République. « Ce doit être un fou !» s'écria le secrétaire. « C'est très dangereux. Dites-lui qu'il m'écrive pour me demander audience. » Sous la monarchie absolue, un chacun pouvait aller voir librement le roi Soleil en son palais du Louvre ou en son château de Versailles. Sous notre libre démocratie, j'avais projeté d'aller offrir mes hommages au président de la République et je ne suis même pas parvenu jusqu'à son secrétaire. En 5e République, rien n'a changé. Essayez d'aller voir le président comme jadis on allait voir le roi à Versailles et vous verrez comment vous serez accueillis. Néanmoins, cette particularité de la monarchie française consistant à laisser le peuple approcher le souverain sans contrôle trahit une réelle confiance établie entre le peuple et le roi. Une confiance forgée depuis des siècles. On est loin de l'image caricaturale du peuple français subissant quotidiennement la tyrannie des rois. Dans notre ère républicaine, qui n'ont de démocratie que le nom,
tout hérissé d'encombrants conformismes et de multiples règlements derrière quoi le moindre détenteur de la plus minime parcelle d'autorité est heureux d'abriter son insolence ou sa marque de petit tyran, l'on a à peine à concevoir la franche bonhomie, la liberté familière de nos rois. Si un citoyen victime d'une injustice s'avisait d'aborder le président à sa promenade ou de le relancer jusque dans ses appartements de l'Élysée pour en demander réparation, il serait saisi par des agents, conduit au commissariat de police et livré aux tribunaux pour lèse-majesté. Nos rois étaient plus accessibles, ce qui faisait dire à Bonald quelle haute idée nos pères ne devaient-ils pas avoir de la royauté, puisqu'ils respectèrent des rois qui mouraient au milieu d'eux, dépouillés de tout l'éclat qui les environne aujourd'hui. L'anglais Evelyn, qui voyageait en France en 1652, mandait dans son pays. Les Français sont la seule nation d'Europe qui idolâtre son souverain. Les ambassadeurs vénitiens notent, en leur fameuse dépêche, « Les Français respectent tellement leur souverain qu'ils sacrifieraient pour lui tous leurs biens. » On connaît le vers de Racine, « Pour être aimé sans peine, il suffit d'être roi. » Et le passage de Bossuet, « Un bon citoyen aime son prince comme le bien public, comme le salut de l'État, comme l'air qu'il respire, comme la lumière de ses yeux. » Rappelons aussi ce que Louis XV enseignait à son fils, le dauphin de France, après la victoire de la bataille de Fontenoy en 1745. Voyez ce qu'il en coûte à un bon cœur de remporter des victoires. Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. La vraie gloire est de l'épargner. Ce même Louis XV, jugeant inhumain l'invention d'explosifs, acheta le silence du joaillier grenoblois Antoine Dupré en lui versant une pension de 2000 livres. On est loin d'Hiroshima et Nagasaki, au nom des démocraties et des droits de l'homme. Von Wisin visita la France en 1778 et dit « Le dernier des ramoneurs est transporté de joie quand il voit le roi. À la veille de la Révolution, sur la route de Paris à Versailles, ce sont des cris de « Vive le roi » qui commençaient à 6h du matin, se continuaient sans interruption jusqu'au coucher du soleil. Ils se répétaient en tout lieu et sous toutes les formes, se glissant partout. Avec quelle intensité la nation entière ne fit-elle pas éclater son affection lors de la maladie de Louis XV? Et c'est Voltaire qui dit « Le danger du roi émut toute la France. Les églises furent remplies d'un peuple innombrable qui demandait la guérison de son roi, les larmes aux yeux. » Et même, lorsque nos rois subissaient la haine et la barbarie de certains de leurs sujets, fanatisés par quelques émeutiers et professionnels de l'agitation, leur comportement face à ces épreuves restait digne. Ce fut le cas de Louis XVI, qui écrivait ces paroles sages dans son testament, alors qu'il savait qu'il allait être exécuté par les révolutionnaires. « Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis sans que je leur en ai donné aucun sujet. Et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui par un faux zèle ou par un zèle mal entendu m'ont fait beaucoup de mal. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve. » Son fils en question était le jeune Louis-Charles de France, qui aurait dû devenir Louis XVII après son sacre. Il fut remis entre les mains du révolutionnaire Antoine Simon. Ce dernier, prenant un malin plaisir à martyriser et humilier le jeune prince. Un jour, alors qu'il l'humiliait devant ses amis de Beuvry, Simon lui demanda « Que me ferais-tu, Capet, si tes amis te délivraient, si tu devenais roi de France pour de vrai ?» Et alors cet enfant, qui n'avait même pas 10 ans, imposa le silence et le respect à tout le monde en répondant « Je vous pardonnerai. » C'est ainsi que ces deux grands rois martyrs, le jeune âge du second n'excluant pas la grandeur, se vengeaient de leur bourreau par leur invincible pardon. Bref, nous pourrions encore alimenter de nombreux faits montrant cette amitié du peuple avec nos rois, et nous vous invitons à ouvrir les chroniques perdues dans les archives et quelquefois dans les greniers. Loin des caricatures qui sont encore souvent enseignées dans nos écoles, nos rois n'étaient certes pas parfaits, et pour certains, on pourrait peut-être leur reprocher beaucoup. Mais il est difficile de ne pas admettre que ces rois, si imparfaits furent-ils, ne faisaient qu'un avec le peuple de notre terroir de France. C'est ce qui fit notre force. Aucun président, si grand fut-il, des différentes républiques que notre pays a subies, ne peut en dire autant pour ce qui est de leurs relations distantes et inaccessibles avec le peuple de France, juste bon à voter à leurs yeux. Notre conclusion sera celle
que Victor Hugo écrivit lui-même dans sa tragédie Irtamen. « Quand on hait les tyrans, on doit aimer les rois. Notre jour viendra ».